portrait marocain de Fianso, de Soufiane. Moi, si tu connais pas, tu connais pas. Il y a pas de galère. Si c'était un film marocain. Un film marocain. Ouais. Bah, moi, les seuls films marocains que j'ai vus, c'est des Belges. C'est les films des Marocains de Belgique. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ils ont une industrie. Il y avait un film là-bas, qui s'appelait Les Barons, qui était super bien. Ouais. Et c'était des mecs de je crois, de Sarbeek ou d'Anderlecht qui avaient fait ça. Et les Marocains de là-haut, ils sont super productifs. Ouais. Et ils avaient sorti un film qui s'appelle Les Barons, j'avais kiffé. Après, des films marocains tournés au Maroc, je pourrais pas te citer un titre comme ça. Ok. C'était une chanson marocaine. Je serais une chanson de l'artiste. Ouais. Ouais, tu l'as choisi, c'est toi qui tu trouves ce que tu veux. Voilà, je suis chocolat. Je ferai une chanson de l'artiste en tout cas. Liken. Slam l'artiste, que Slam Olias Sbah. Tout est bon, en croyant. Tout est bon. Tout est bon dans l'artiste. Tout est bon. Chocolat. Quand ses yeux se sont posés sur moi, il m'a eu. Clandestinin. Il a dit. Je l'ai trouvée assise toute seule, comme dans le vide. Elle a l'air triste ou nette, et ça tombe bien, j'ai les épaules solides. Un peu de réconfort, je lui parle et j'apprends à quel point elle a souffert. Et c'est quoi les chansons que t'écoutais quand t'étais petit? Avec ta maman, avec ton papa? Mon père, il écoute du Chahbi, il écoute. Tu vois, la musique des anciens, tu vois, un peu les chanteurs, je sais pas si tu connais, d'Ahmed Al-Harrachi. Ouais. Après, nous, c'est vrai que je suis de la région de Béjaïa, donc tu sais, Tu vois ce que je veux dire, c'est rempli ça chez danse. Nous, tu vois. Ouais. Donc voilà, et puis un peu de chansons françaises aussi, parce que j'ai une maman qui arrivait très, très jeune en France, et j'ai dû écouter 2-3 chansons de Goldman à droite à gauche, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ouais. C'est bon, un peu ça. De tout. Un peu de tout. C'est génial. C'est incroyable à quel point c'est influençant les musiques qu'on écoute quand on est petit. Hein. C'est incroyable. Ben, c'est clair. Et puis les sonorités, en plus, tu sais, je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'en fait, je me sers maintenant et tout remonte maintenant, tu vois, de mes 15 premières années. En fait, c'est maintenant que je me sers de tout ça. C'est maintenant. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, on parlait du marché avec mon père ou de la culture de ma mère. Mais c'est maintenant que je m'en sers. C'est maintenant que je me rends compte que ma mère m'a appris à parler le français bien comme il faut et à construire des phrases correctes. Je me rends compte que c'est toutes ces années à travailler avec mon père qui m'ont appris à avoir ce naturel et ce bagou qui me fait me balader dans tous ces endroits et rencontrer tous ces gens et avoir du feeling avec tout le monde. Ouais. Donc voilà, c'est maintenant que je profite de tout ça. C'est maintenant que je me rends compte. C'est ça. Si t'étais une ville marocaine, je serais Meknès. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas la plus brillante, mais c'est celle qui m'a procuré le plus de c'est celle dans laquelle je me suis senti le plus chez moi. C'est génial, hein. C'est très bien. Merci beaucoup. J'en ai un très bon souvenir. Je me souviens, on parlait de l'histoire de cette ville et qui avait un rapport particulier par rapport aux autres villes du Maroc avec son peuple et sa culture et sa manière d'être un peu. Et je les ai trouvés. C'est une ville, bon, une ville intimiste, ça n'existe pas, mais c'est une ville où, tu vois, c'est un peu, tu vois, je sais pas, en tout cas, j'ai été bien accueilli. Je trouve pas l'adjectif particulier, mais vraiment, j'ai kiffé Meknès. C'est chaleureux, ils ont une façon de demander, de te demander ce que ça va, qui est très spécial. Je sais pas si tu l'as remarqué, et ils te font ça. Moi, la première fois que je suis parti, ils me font ça, je dis, ouais, j'ai un peu. Il me dit non, c'est pas, j'ai un peu trop. Toi, ça va, c'est un peu, ouais, écoute, ouais. Mais je croyais que je me disais t'as peur. Je dis non, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur, les gars. Mais il faisait. Ça va, Bekher, je crois que la musique c'est la base. Et puis les Italiens, c'est ah, eh oh, oui. Pourquoi on est tous les mêmes, hein? C'est ça, les mains. C'est juste le mouvement. Et là, quand tu as un. Si t'étais un rappeur marocain, je serais Toto. C'est vrai? Ouais. Ouais. Toto de Casablanca, le grande Toto. Le grande Toto. Voilà, je l'ai rencontré, j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup son énergie. Ouais. J'espère qu'on fera plein de trucs ensemble. Ouais, il est très bon. Voilà. Si t'étais un proverbe marocain, tu en connais? Ah, j'avoue, j'en connais pas, mais ça doit être les mêmes que. Je pense, tu vois. Je connais pas la version marocaine, tu vois. Ouais, ouais. La version, mais je sais pas, je pourrais pas t'en citer comme ça. Laisse-moi, je m'affiche pas devant les caméras. J'en ai pas. Voilà, c'est bon. Un proverbe algérien. Hein? Un proverbe algérien. Laisse tomber, je vais te le dire en français, ça sert à rien. Prends pas la tête. C'était un plat marocain. Dans le classique, tagine. Bon, tagine de quoi? Tagine au poulet, allez hop. Poulet Hamd Zitoun.
Ouais, un peu, tu vois, avec, tu vois. Quand c'est, quand, tu vois, il y a tellement de zitounes que le poulet, tu le vois plus, là. Tu vois, c'est ça, là, tu vois. Voilà. Non, parce que c'est un peu le principe Kinder Surprise. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que tu sais pas, est-ce que c'est de la viande ou c'est du tu poulet. Tu connais pas la provenance du poulet, même, tu vois, tu peux te poser la question. Non, mais tu sais pas quelle partie du poulet. Tu vois, est-ce que c'est l'aile ou est-ce que c'est le. C'est le torse, c'est quoi. C'est ça le truc. Ça, ce qui est génial. Et parfois, y a pas. Je te jure. Les olives. Ça, je l'ai vécu quand j'étais petit, y a pas. Ah. Oui, parce que tu creuses, comme tu creuses, mais comme pas. Ça, comme ça, c'est réglé. Ce que tu retrouves, c'est ton frère, comme de l'autre côté. Comme ça, c'est réglé. Qui est assis en face de toi. C'est ça ce que je retrouve. Bravo, Soufia. Merci, merci beaucoup. On va faire la radio clip. Papa m'a dit de préserver tous les liens. Je l'aime et grâce à Dieu, je sais d'où je viens. Le ciel et la terre et dans les veines à vie. Je veux me sentir chez moi, dans mon bled ou dans le tien. Quelques ignorants se chamaillent dans la cour. La terre est la même. Je te souhaite bon, tout le courage, incroyable, pour la suite. Voilà, moi je suis confiant que voilà, c'est parti pour une très très grande carrière. Et un grand nom de la musique française, Akhoya. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Akhoya. Je vais remercier vraiment Hit Radio. Merci, merci pour tous ceux qui m'ont appelé, tous ceux qui nous soutiennent ici. Longue vie aux affranchis. Et grosse dédicace à mes amis qui s'occupent très bien de moi ici. Mon ami Sofiane, mon ami Amine. Voilà, ils m'ont soigné depuis que je suis arrivé. Et voilà. Marhaba, Akhoya.